Bonjour à tous et à toutes, en présence et non en présence. Je suis content de lancer ce nouvel cycle du séminaire Écriture numérique et éditorialisation. Je suis particulièrement content de le commencer avec Emmanuel Château-Dutier, que je laisse ensuite présenter par Nicolas, mais qui a été un des premiers à participer au séminaire déjà en 2009. Donc voilà. 9 ans plus tard, je suis content qu'on continue la réflexion ensemble. Ça veut dire que ce cycle de séminaires se situe dans une continuité d'une réflexion qui a été menée par notre communauté, par plusieurs personnes qui sont ici à côté ou à distance. Et on est arrivé l'année dernière à réfléchir sur l'aspect spatial du fait numérique, et à interroger certaines notions, dont celle des territoires, celle d'environnement et celle d'architecture un peu vers la fin. Ce qui nous a poussé cette année à nous dire, bon, nous avons peut-être pas ou pas assez de compétences nous n'avons pas assez réfléchi de façon approfondie sur la notion d'architecture, et surtout, nous n'avons pas vraiment interrogé les théories de l'architecture qui pourrait nous aider à comprendre quelque chose du fait numérique. Nous en sommes restés pour le moment juste à une piste un peu métaphorique, cette union entre cet aspect architectural de l'espace numérique que nous devinons derrière les protocoles, le protocole TCP/IP, les différents protocoles d'échange de données, les formats, etc., qui structurent un espace qui devient un espace de vie, celui du web en particulier, mais celui du numérique en général. Les objets connectés et non connectés sont toujours reliés ensemble dans une espèce de dynamique qui construit l'espace que nous habitons. Ici et maintenant, disait Pepe Cavallari lors de sa soutenance il y a quelques jours, et on était en vidéoconférence, et il disait, nous sommes où maintenant? Il disait, nous sommes sur Google Hangout. Et en fait, il y avait la moitié du jury à Paris, l'autre moitié qui était ici. Et en fait, ils disaient, c'est quoi l'espace dans lequel nous nous trouvons actuellement? Bah, c'est Google Hangout. Ce n'est ni cette salle, ni celle de Paris, mais c'est Google Hangout comme espace de raccordement. Je pense que c'est une bonne formulation, au moins assez forte, de cette idée du fait numérique comme structure architecturale qui agence les espaces dans lesquels nous vivons. Ceci étant dit, justement, la question reste ouverte de savoir quelle théorie de l'architecture, quels concepts de l'architecture peuvent nous être utiles pour aller un peu plus loin de cette notion un peu voilà, intuitive et métaphorique de l'aspect architectural du fait numérique. Et c'est pour ça que cette année, on s'est dit, nous allons réfléchir spécifiquement sur ça. Aussi en demandant à des intervenants, donc l'année dernière c'était un mode de fonctionnement en plus un atelier, cette année nous allons demander à des intervenants de prendre la parole de façon un peu plus structurée et de nous présenter leur point de vue. En particulier, nous allons solliciter des gens qui aient des visions plus axées particulièrement sur l'architecture, donc aussi d'un point de vue disciplinaire, ce qui parfois pourra être déroutant. Vu que pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas des architectes. Bon, nous allons commencer avec quelqu'un qui va sans doute nous dérouter, mais que nous connaissons déjà un peu. Donc, je laisse la parole. Je te remercie vraiment beaucoup, Emmanuel, d'avoir accepté d'ouvrir ce cycle. Je pense que c'est vraiment important que ce soit toi qui le fasse. Et je laisse la parole à Nicolas Serret pour te présenter. Bienvenue, Emmanuel. Emmanuel Château. Historien de l'architecture et digital humaniste. Ses recherches portent sur l'administration de l'architecture publique en France au XIXe siècle, la profession d'architecte et les relations entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, l'architecture des jardins zoologiques, l'édition et le livre d'architecture. Ses travaux concernent par ailleurs la muséologie et l'histoire de l'art numérique. Il participe ou a participé à plusieurs importants projets de recherche collectifs en histoire de l'art, plaçant le numérique au cœur de leur réflexion. Il a notamment assuré la direction numérique de l'édition critique Antoine Bégodet, et il est l'un des collaborateurs principaux du projet des guides de Paris du LABEX déplacé dans le présent. Il est professeur au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques à l'Université de Montréal.
Tout d'abord, je souhaite remercier les organisateurs pour cette invitation. Même s'ils m'ont un peu tordu le bras en réalité pour parler d'architecture et de numérique, le sujet n'est pas forcément évident, même s'il rejoint en fait deux sujets qui me tiennent à cœur distinctement finalement. Et que finalement ce travail m'a aussi donné l'occasion de revisiter les écrits de Philippe Boudon, dont je me suis aperçu qu'ils avaient profondément marqué en fait ma manière de penser l'architecture au début de mes études, et qui peuvent probablement être mobilisés pour essayer d'envisager la question des savoirs architecturaux et de la manière dont ceux-ci peuvent nous aider à envisager le numérique ou à les distinguer. Les espaces numériques ou à les distinguer. Alors, l'avenue qui m'était proposée était relativement aventureuse, voire périlleuse, à mon avis. Je dois reconnaître d'emblée que je n'ai probablement pas poussé la réflexion jusqu'au bout. Et ce que je vous propose, c'est plutôt des éléments qui concerneront plus généralement l'architecture, en lien avec mon travail sur la typologie architecturale, plutôt d'engager une discussion aussi sur les espaces numériques à partir des éléments que je vais vous proposer, si tant est que vous les trouviez pertinents. Donc c'est plutôt comme une proposition issue de l'architecture, soumise à la réflexion du séminaire, que j'envisage mon intervention. Dans son ouvrage sur l'éditorialisation, Marcello Vitali Rosati propose plusieurs définitions de l'espace qui ne le réduisent pas à sa stricte dimension géométrique, mettent l'accent sur sa dimension phénoménologique. Dans cet ouvrage, ces définitions de l'espace sont particulièrement mobilisées pour définir la structuration d'autorité dans le monde numérique, même s'il emploie la notion d'espace dans un sens foucaldien pour l'opposer à l'espace cartésien, kantien, il l'envisage comme la manière dont un ensemble de relations structurées peut être compris comme son espace. C'est ici une interprétation phénoménologique de l'espace qui est mobilisée, au sens où il ne peut être conçu comme un objet stable, doté d'une forme indépendante, mais comme une dynamique, le résultat d'un processus d'habitation. Et ici, Marcello cite Lefebvre pour expliquer que ce n'est pas le résultat d'un donné, mais d'un processus. Alors, il me semble que la définition sur laquelle tu t'appuies, Marcello, ne rend pas tout à fait compte d'une dimension particulière de l'espace architectural, et notamment de son caractère structurel. À bien des égards, une fois conçu par l'architecture, l'espace architectural offre en quelque sorte une matrice qui détermine largement les circulations du visiteur dans cet espace, ses hiérarchies et en quelque sorte ses affordances. Mais l'espace architectural n'est sans doute pas réductible à cette seule dimension strictement topologique. Le travail collectif sur l'architecturologie, initié par Philippe Boudon à partir des années 70 et continué avec lui et d'autres collaborateurs par la suite, peut, me semble-t-il, offrir un cadre de compréhension plus large de l'espace architectural, mais aussi des principes de la conception architecturale à travers ce qu'il appelle la notion d'échelle. Si je vous propose de parcourir la manière dont l'architecture envisage l'espace, en quelque sorte, dans sa tradition, dans ses théories, essentiellement à l'époque classique, je ne vais pas beaucoup regarder la période contemporaine, pour ensuite appliquer ce genre d'analyse au cas particulier de la typologie d'architecture publique qui m'occupe actuellement et sur lesquelles, justement, avec lesquels je fais des liens en réalité avec le numérique, et enfin en essayant d'appliquer ces notions au domaine spécifique qu'on appelle celui de l'architecture du web, en essayant de voir comment elle s'en rapproche ou s'en distingue. En cherchant quelle définition de l'architecture pourrait constituer un invariant de l'ensemble des définitions données à l'architecture dans la théorie, Philippe Boudon s'interroge sur la notion d'espace en envisageant si l'architecture peut être considérée comme un problème de penser l'espace, comme définition générique de l'architecture. Or, il met en avant l'impossibilité de penser l'espace indépendamment dont il a été pensé, mais aussi de l'espace vrai qui lui sert de référence. Et ce rapport entre l'espace réel et l'espace conçu, en fait, nourrit l'entière réflexion de Philippe Boudon. Il aborde ainsi successivement le rôle de l'espace dans la pensée en général et la question de la différence à établir entre espace géométrique et espace architectural comme deux pensées distinctes différentes de l'espace.
L'architecture et la géométrie sont bien sûr deux disciplines cousines et traditionnellement elles sont clairement rattachées. Mais leur différence se manifeste selon lui dans le concept d'échelle qui ici n'est pas formulé clairement par les théoriciens, peut recevoir d'autres acceptions que l'homothétie ou la proportion, généralement mobilisées dans le domaine géométrique. Et cette notion devient en quelque sorte une des notions fondamentales de l'architecturologie qu'il propose. Comment l'architecte donne-t-il des mesures à l'espace, si son rôle est de produire l'espace? Et la mesure et la conception s'affirment ainsi pour Boudon comme les deux principes de l'architecturologie. Concevoir le projet, c'est dessiner cet ensemble avant qu'il n'existe, dans un espace différent qui est celui de la conception. Alors que tout semble désigner l'architecture comme un art de l'espace, étonnamment, la théorie classique de l'architecture ne propose pas vraiment de définition de l'espace. Ça, c'est quelque chose de frappant en réalité quand on parcourt les traités. Pour Vitruve, l'architecture est une science qui doit être accompagnée d'une grande diversité d'études et de connaissances par le moyen desquelles elle juge de tous les autres arts qui lui appartiennent. Cette science s'acquiert par la pratique et par la théorie. La pratique consiste en une application continuelle à l'exécution des dessins que l'on s'est proposés, suivant lesquels la forme convenable est donnée à la matière, de son fond toutes sortes d'ouvrages. La théorie explique et démontre la convenance des proportions que doivent avoir les choses que l'on veut fabriquer. Ce qui fait que les architectes qui ont essayé de parvenir à la perfection de leur art par le seul exercice de la main ne s'y sont guère avancés, quelque grand qu'ait été leur travail. Non plus que ceux qui ont cru que la seule connaissance des lettres et le seul raisonnement les y pouvaient conduire, car ils n'en ont jamais vu que l'ombre. Mais ceux qui ont joint la pratique à la théorie ont été les seuls qui ont réussi dans leur entreprise, comme s'étant munis de tout ce qui était nécessaire pour en venir à bout. Alors, ce grand topos de l'architecture qui doit réunir tous les arts et tous les savoirs savants pour pouvoir être efficace, et en découle la métaphore de l'architecte médecin, en quelque sorte. Face à cette première définition, qui jalonne en réalité et nourrit toute la théorie architecturale jusqu'au XIXe siècle, il faut opposer celle que donne Viollet-le-Duc, peut-être d'ailleurs dans la lignée de Jean Rondelet, auteur d'un traité de l'art de bâtir au début du XIXe siècle, pour qui l'architecture est avant tout un art de bâtir, même s'il conserve la dichotomie entre théorie et pratique. Le discours sur l'architecture, en fait, s'est largement appliqué à établir une distinction des parties de l'architecture. Ainsi, Vitruve nous dit encore que l'architecture est constituée par l'ordonnance, que les Grecs appellent taxis, la disposition, qu'ils nomment diathésis, l'eurythmie, la proportion, la convenance et la distribution, qui en grec est appelée oikonomia. Cette notion d'oikonomia, je reviendrai dessus parce qu'en fait, elle est très présente au 19e. À travers cette triade, en fait, on retrouve une constante à travers tous les siècles également dans la théorie de l'architecture, qui est formulée d'abord par Alberti, partant de Vitruve, qui définit trois principes: commoditas, firmitas et voluptas. Ils sont célèbres, souvent convoqués. Mais en fait, cette triade, elle fait écho également aux divisions de l'architecture mises en avant par Jacques-François Glandel, professeur à l'Académie royale d'architecture tout au long du XVIIIe, c'est un des principaux professeurs à la fin du XVIIIe, sous les termes de décoration, construction et distribution. Et dont découle Matinée d'éclectisme à la Victor Cousin, la devise de la Société centrale d'architecture, le beau, le vrai, l'utile, un chaîne trinaire qui semble enfin s'être stabilisé à l'époque moderne et contemporaine sous les termes fonction, forme, et structure. Ici, vous avez la médaille de l'Académie d'architecture, vous voyez apparaître la devise le beau, le vrai, l'utile, qui en fait constitue une sorte de jalon entre un moment, une tradition vitruvienne de l'architecture et un moment plus rationaliste, en réalité, de l'approche architecturale ou fonctionnaliste. À côté de ces constantes hypothétiques, en fait, les architectes modernes ont proposé de nombreuses autres définitions. Pour Le Corbusier, l'architecture est un acte de volonté consciente. C'est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés dans la lumière. En quelque sorte, l'architecture, c'est mettre en ordre. Mettre en ordre quoi? Des fonctions et des objets,
occuper l'espace des édifices avec des routes, créer des vases pour abriter les hommes et créer des communications utiles pour s'y rendre. C'est dans l'état présent, dans les précisions sur l'état présent de l'architecture et de l'urbanisme que Corbusier formule cette définition en 1930. En fait, les définitions de Corbusier sont relativement nombreuses et variables. Et ici, Le Corbusier rejoint en quelque sorte la notion d'ordre telle qu'elle est définie par le professeur de l'Académie d'architecture au XVIIIe, Jacques-François Blondel, même si ce dernier a manifestement du mal à se détacher de la tradition vitruvienne de l'ordre architectural en tant qu'élément de décor, de modélature, mais qui organise en fait l'ensemble du projet architectural à partir de son module. Pour Blondel, ordre, ce mot signifie l'arrangement régulier de plusieurs belles parties au moyen desquelles on parvient à composer à l'opposé du désordre. Il peut s'employer de deux manières, en colonne et en pilastre. Et donc, vous voyez bien que la forme architecturale, en tout cas son vocabulaire, n'est pas seulement un élément de syntaxe, mais gouverne fondamentalement la grammaire du projet. Lursa, le contemporain de Corbusier, propose aussi une définition qui fait apparaître certains invariants, mais qui se rapproche plus d'une compréhension de l'espace sensible. André Lursa est un architecte contemporain, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est une figure aussi importante que Le Corbusier dans les années 30, et notamment par le développement d'une architecture puriste qui se rattache au style international. Pour lui, l'architecture sont des volumes se dressant dans l'espace, sont déterminés par des surfaces qui se rencontrent, la lumière s'accroche, frise, joue, accusant les volumes, leur donnant leurs proportions exactes, elle les fait vivre et chanter. Volume, surface, espace, lumière, c'est là la vraie gamme de l'architecte. L'architecte est comparé à un peintre avec un certain nombre de moyens qu'il mobilise et qui sont des moyens spatiaux. C'est surtout l'architecture contemporaine en fait, qui s'est proposée de s'intéresser plus particulièrement à l'espace. C'est notamment le cas de Bruno Zévi dans son célèbre manuel « Apprendre à voir l'architecture », lorsqu'il définit la spécialité de l'architecture comme art de l'espace en mettant en avant l'espace interne de l'architecture. La définition la plus juste que l'on puisse donner aujourd'hui de l'architecture est celle qui tient compte de l'espace interne. Sera belle celle dont l'espace interne nous attire, nous élève, nous subjugue spirituellement, sera laide celle dont l'espace interne nous fatigue et nous repousse. Et le point fondamental est que tout ce qui ne possède pas d'espace interne n'est pas de l'architecture. L'opposition, en fait, elle introduit une opposition assez classique avec la sculpture. Mais pour lui, le caractère distinctif de l'architecture, et ainsi qu'elle existe dans la définition d'un espace tridimensionnel, qui inclut l'homme, elle apparaît ainsi en quelque sorte comme une sculpture évidée à l'intérieur de laquelle l'homme pénètre, marche, vit et habite. D'une telle conception découlent que les déplacements du point de vue, la perception changeante de l'espace suggère une quatrième dimension, qui serait l'espace perçu et qui est impliqué par une dimension temporelle. Et on peut renvoyer à cet égard aux théories modernes de l'architecture de Siegfried Jedon avec espace-temps architecture, qui pose très clairement ces deux termes en les associant. Cependant, si Zévi met bien en avant l'espace intérieur comme constitutif de l'architecture, il néglige sans doute trop la notion d'extérieur qu'implique un intérieur, ce que mettront en avant d'autres architectes comme Lou Kahn ou encore Frank Lloyd Wright avec sa célèbre maison sur la cascade. En effet, la dimension sensible de l'architecture ne se réduit pas à l'espace produit et à la sensation qu'il procure, mais elle devient question du contexte dans lequel l'édifice prend place, une dimension largement investie par les urbanistes et les paysagistes contemporains. En produisant des édifices, qu'ils soient destinés à être habités ou parcourus, le geste architectural a donc pour premier effet de générer des espaces. Et plusieurs cas de figure sont ici en présence. L'intervention qui génère l'espace et qui peut être une intervention même en surface, pensons au domaine de la sculpture, par exemple, aux 144 carrés d'étain de Carl André, qui définissent un espace à l'intérieur du musée tout en étant structure planimétrique. La constitution d'une matrice à parcourir, en quelque sorte un labyrinthe proposé par les distributions définies par l'architecte, et puis la production d'un espace sensible qui serait de nature phénoménologique. Cependant, Philippe Boudon évoque deux écueils à une pensée architecturologique. D'une part, une conception qui serait trop liée à l'espace géométrique, et d'autre part, une pensée fonctionnaliste.
que sous-tendent en fait ces différents termes. L'espace architectural n'est pas un espace géométrique parce qu'il ne se définit pas simplement en termes de proportions, mais parce qu'il est mesuré, selon lui. L'architecte dimensionne en effet les parties de l'édifice en fonction des différentes dimensions qui sont topologiques, constructives, etc., et qui constituent pour Boudon des échelles, et des échelles employées au pluriel. Donc la notion d'échelle, en fait, elle peut être facilement... c'est une notion complexe et qui n'est pas directement issue en fait, de la géographie ou de la géométrie de Thalès. La notion d'échelle, elle peut être facilement comprise avec le passage qui cite de Palinos, ou l'architecte, écrit par Paul Valéry en collaboration avec Auguste Perret, qui fait intervenir un dialogue socratique. Socrate dit « Mais ne peut-on copier le marsouin ou le thon eux-mêmes et piller directement la nature ?» C'est après s'être émerveillé du profilage des poissons. Phèdre, « Je le croyais naïvement, Tridon m'en a détrompé. Socrate, mais un marsouin n'est-il pas une sorte de navire ?» Phèdre, « Tout change avec la grosseur, la forme ne suit pas l'accroissement si simplement, ni la solidité des matériaux, ni les organes de direction ne le supporteraient. Si une qualité de la chose grandit selon la raison arithmétique, les autres grandissent autrement. » On pointe ici le phénomène caractéristique qui est que lorsque l'échelle augmente, les proportions ne sont pas gardées, nous dit Boudon. La raison donnée est d'ordre mécanique, mais on trouve également chez d'autres architectes des exposés qui évoquent des échelles techniques, comme chez Choisy à propos des plates-bandes. La plate-bande, c'est un élément architectural horizontal qui permet de créer un trumeau au-dessus d'un entrecolonnement, par exemple, dont l'analyse des conditions de résistance permet d'établir l'épaisseur variable, mais cette épaisseur n'est pas proportionnelle à la portée, elle dépend des propriétés physiques de la pierre et de son appareillage, et elle peut être également accentuée, exagérée pour en accentuer les effets. La notion d'échelle est employé en commun par les géographes, les architectes, les urbanistes ou le sociologue urbain et bien d'autres, sans que nous fait remarquer Boudon, on sache trop quelle est la commensurabilité de ces différentes représentations, les différentes représentations qui s'en font. Il montre par là la spécificité architecturale de la notion d'échelle, élément selon lui d'une véritable pensée architecturale. Et d'affirmer qu'il ne s'agit pas ici d'une pensée rationnelle fondée sur une raison purement numérique, dont l'origine est le ratio ou le rapport mathématique. Il ne s'agit pas non plus d'une mesure de l'espace vrai, de l'espace physique de l'architecture, mesure des proportions ou des rapports des parties de l'édifice les unes aux autres. Dans la tradition classique de l'architecture, ce serait celle de la question de la proportion. Il s'agit, selon lui, d'une pensée de l'espace architectural qui le mesure par rapport à lui-même, mais qui suppose une définition de l'espace architectural comprenant à la fois l'espace vrai de l'édifice et l'espace mental de la pensée de l'architecte. La relation entre ces deux espaces vrais et mental des architectes s'effectue par un passage qui est au cœur de la conception du projet architectural et qui s'appelle la projetation. Ces échelles sont de plusieurs ordres. Elles peuvent être perceptives, constructives, évidemment, avec le cas technique que j'évoquais tout à l'heure, techniques du point de vue de la technique architecturale pour produire des effets, ou encore programmatiques si elles tiennent compte des dimensions fonctionnelles de la production de l'édifice. Et la démarche de l'architecte consiste donc à harmoniser deux espaces, ou plusieurs, en les rendant concluants et en choisissant un type de rapport entre l'un et l'autre qui donne des mesures à l'édifice. Donc l'idée, c'est qu'il y a plusieurs échelles, plusieurs plans de rapport à l'édifice qui sont consignés à travers une opération de projetation. Et ces éléments ne sont pas seulement relatifs à la mesure réelle de l'édifice, mais la produisent. En fait, cette conception de l'architecture, même si elle est toute contemporaine, en réalité, rejoint très largement un art du projet qui se caractérise en particulier par l'émergence de par un travail sur la disposition en architecture. Alors, les concepts de disposition, de distribution et de commodité sont des concepts relativement mêlés en architecture et qui fluctuent en fonction des auteurs. Mais la disposition concerne la configuration générale en fait, d'un édifice et l'articulation de son plan.
Et cet art de la disposition, en fait, se manifeste en particulier dans l'émergence des types architecturaux qui ont fixé un certain nombre de modèles architecturaux plus ou moins guidés par la question fonctionnaliste, la question fonctionnelle, les problématiques d'adéquation en tout cas aux besoins, mais aussi des notions iconologiques. Et c'est quelque chose de très clairement mis en avant, par exemple, dans le travail de Nicolas Pepsner, History of Building Types, qui dépasse l'approche fonctionnaliste pour essayer d'intégrer une dimension iconologique du monument et sa symbolique qui s'inscrit et qui s'intègre dans le plan. Le rôle de la composition dans la théorie classique de l'architecture, en fait, est directement lié à l'émergence des types architecturaux. Et l'art de la distribution est souvent caractérisé comme une des spécificités en fait, de la pratique française de l'architecture, sa capacité à agencer un certain nombre d'espaces dans une parcelle contrainte, tout en les régulant par l'action du projet. En fait, je m'intéresse à ces questions de type parce que il me semble que la conception d'un type en fait gouverne très largement la production de l'architecture publique dans la première moitié du 19e siècle, et que ces types architecturaux ils peuvent être analysés aussi comme des réseaux distributifs et être éventuellement modélisés pour essayer de comprendre ce qu'est l'image d'un type pour les architectes. D'autant que la théorie de l'architecture en fait mobilise beaucoup la notion de type idéal, notamment chez Winckelmann, et qui m'intéresse de savoir comment elle s'intègre en réalité dans la réalité architecturale. Cette émergence des types architecturaux, en fait, elle a lieu à la fin du 18e avec la multiplication des concours d'architecture sur des programmes d'édilité publique. Elle se traduit par, en quelque sorte, une mise en exercice de la production du type architectural. Elle est stabilisée également avec cet ouvrage de Durand et Legrand, qui s'appelle « Recueil et parallèle des édifices en tout genre anciens et modernes », qui va constituer en quelque sorte le grand ouvrage des bibliothèques d'écoles d'architecture jusqu'au début du XXe siècle, et qui met en comparaison, donc en parallèle, des ouvrages de toute taille autour d'un même type. Durand opère à la manière d'un taxonomiste, assemblant en fait une série de plans illustrant des types constructifs, arrangés par ordre et degré, tous placés et représentés sur la même échelle à l'aide de moyens descriptifs systématiques. Dans son précis des leçons, en fait, Durand va prolonger l'approche d'une structure programmatique, d'une analyse programmatique des programmes en envisageant en réalité les bâtiments d'après leurs fonctions. Et ce qui est particulièrement intéressant dans le travail de Durand, c'est qu'il va mobiliser, rompre en fait avec la théorie des ordres classique qui définit un module pour définir un module abstrait et rationnel, tout basé sur un système géométrique et la possibilité et de composer l'architecture en éléments de construction élémentaires, réduits à leur forme géométrique élémentaire, et qui seront agencés dans un système de combinatoire d'éléments en plan et en élévation. C'est l'effet direct des classifications rationnelles du 18e, mais aussi d'une aspiration à développer des règles qui rompent en fait de manière décisive avec la tradition classique de l'architecture du 18e siècle. En fait, ce qui guide le travail de Durand, c'est évidemment une logique utilitariste dans la conception du projet architectural. Mais à travers la combinatoire en fait, de l'agencement des éléments, et en particulier leur abstraction géométrique, et en particulier Durand est connu pour une méthode qu'il enseignait aux élèves architectes de l'École polytechnique, qui est la méthode au petit carreau, que vous pouvez présenter ici, et qui permet de fournir une trame sur laquelle on définit en quelque sorte l'implantation des édifices, on a un système génératif en quelque sorte de la typologie à partir d'un module qui est ici rationalisé
qui va permettre de déployer toutes sortes de typologies. C'est pas l'architecture IKEA, à peu près. Je ne vais pas dire ce que je veux pas dire. Mais fascinant en réalité, c'est que cette méthode de conception architecturale, elle va irriguer en réalité toute la conception architecturale du début du 19e siècle. Elle guide la production des plans, leur régularisation, mais aussi la production des déclinaisons possibles du type à travers des échelles. Ici, je vous montre un projet de Pierre Bernard, publié dans le recueil de Grand Prix de composition de 1782. Donc, c'est un des concours de l'École des Beaux-Arts. En vis-à-vis d'un autre projet de Jean-Nicolas Louis Durand, l'auteur des leçons dont je vous parlais, avec Jean-Thomas Thibault, d'un autre palais de justice. Et vous voyez ici comment, en réalité, en fonction de l'échelle, la forme architecturale peut être déclinée et de quelle manière, en réalité, il ne s'agit pas juste d'agrandir le plan pour le faire correspondre à des besoins plus ou moins réduits, mais qu'il s'agit de décliner en réalité ce plan en fonction du dimensionnement. À gauche, on a un projet Beaux-Arts, beaucoup plus ample, avec des cours, des colonnades, extrêmement coûteux à réaliser, même s'il ne dispose que de 6 salles d'audience, mais qui sont ici clairement hiérarchisées. À droite, dans le contexte des concours de l'an 2, donc des projets de 93 pour équiper la France d'édifices publics. On a un édifice qui conserve la même trame de plan Beaux-Arts avec un plan orienté, avec inspiré des plans thermaux, mais qui régularise complètement l'organisation des salles d'audience et réduit en fait les coûts de production de l'édifice sur une échelle réduite. Et en fait, on trouve la trace de ce classement typologique dans un recueil d'architecture publique sur lequel je travaille actuellement, de Charles-Pierre Gourlier, Biette et Grillon, qui s'appelle « Choix d'édifices publics construits et projetés en France », dans lequel les édifices publics réalisés réalisés en France dans la première moitié du 19e sont représentés en parallèle, mais ici, non pas à partir de types idéaux conçus in abstracto, mais en fonction de situations précises. Et ce qui est très intéressant dans le recueil, en quelque sorte, c'est qu'on présente un recueil de modèles organisé sur une classification typologique, mais qui part en réalité de situations contingentes. Et la valeur contingente, en fait, la contingence, en réalité, est considérée comme une valeur. Les exemples, en fait, ne sont pas des exemples génériques directement transposables, mais plutôt des éléments d'inspiration pour les architectes pour composer dans des situations distinctes des réponses adéquates à un programme donné. Ce qui m'intéresse avec ce recueil, c'est qu'il accompagne en fait la constitution des types architecturaux tout au long du 19e siècle. Et c'est à cette époque que se formalisent en réalité les types. Mais ces types, en fait, ne sont jamais des types idéaux, ou alors ils sont antérieurs à la conception du projet. Et la conception du projet s'intègre en fait dans un système contingent qui intègre du coup des échelles qui sont des échelles technologiques, des échelles économiques ou d'autres. Alors, à travers ce genre de plan, en fait, ce qui m'intéresse particulièrement dans le domaine de l'architecture, et dont je voulais vous parler parce que je crois que ça a à voir avec l'espace numérique directement, c'est que, de fait, l'architecture s'avère être un art de la contingence. C'est-à-dire que le projet architectural, même s'il peut être caractérisé par des projets idéaux, comme ceux des architectes révolutionnaires, sur lesquels on a beaucoup glosé, c'est d'abord et avant tout un espace de résolution à l'intérieur duquel l'architecte va prendre en compte un certain nombre de contraintes. Ainsi, l'architecte compose avec un ensemble de contraintes qu'il cherche à concilier dans un espace de conception, un étant donné qui serait la parcelle, par exemple, le programme architectural, la signification,
qui forment tout autant d'échelles spatiales, programmatiques, fonctionnelles, constructives ou symboliques, qui sont mobilisées par l'architecte. Alors, en partie, ce processus peut être, on peut dire que ce processus peut être modélisé, mais je crois que cette modélisation, en fait, elle concerne pour l'essentiel la grammaire du projet, mais du point de vue topologique. Et ici, j'ai un exemple très intéressant de Steiny et Mitchell, qui ont cherché à la fin des années 70 à essayer de modéliser en réalité ce que pourrait être une villa palladienne. Vous connaissez le caractère probablement caractéristique par sa modularité de l'architecture de Palladio pour ses projets de villa. Et ici, à partir d'un projet de villa particulier, la villa Malacontenta, ils ont essayé de générer par ordinateur en fait, toute une série de villas potentielles de Palladio, mais qui évidemment n'existent pas, et qui sont basées sur une analyse formelle en fait, des caractéristiques de la trame palladienne et des systèmes de composition. Donc, de l'analyse du plan initial en tirant des contraintes sur la topologique, sur le système de proportions et les caractéristiques du style, on peut évidemment définir des architectures possibles. Simplement, évidemment, le projet ici est complètement décontextualisé de tout autre contexte qui serait celui d'un commanditaire ou de dimension symbolique en général. En tout cas, à partir de règles de base, il est possible de définir un ensemble de contraintes structurelles qui déterminent des rapports entre les espaces qui ne sont pas seulement hiérarchiques, car ils prennent plutôt la forme d'une matrice dont les dimensions ne sont pas seulement topologiques. Et je crois que la caractéristique en fait, des projets architecturaux et en particulier des types d'édifices publics, c'est que précisément cette matrice, elle définit une organisation de parcours des espaces qui un espace commandant l'autre, en quelque sorte, mais à travers une matrice qui est plus riche probablement que le système optique que tu évoques dans ton livre Point de vue, parce qu'ici, en fait, on a un réseau de relations commandées les unes par les autres, mais qui n'est pas strictement hiérarchique, auquel se surajoute une dimension qui n'est pas présente dans la modélisation de Steiny ici, qui est en réalité celle des échelles fonctionnelles, techniques ou encore iconologiques, qui en réalité donnent la mesure de l'espace architectural, si on suit Philippe Boudon. Alors, cherchons maintenant à voir comment cette conception de l'architecture peut éventuellement être transposée à l'espace numérique, en prenant l'exemple notamment de ce que l'on appelle l'architecture du web. Alors, la métaphore de l'espace, elle est employée de longue date à propos du World Wide Web, même si elle avait été introduite par Marshall McLuhan dans les années 60 pour d'autres médias. Par exemple, la métaphore du village global, largement retrouvée appliquée au domaine de l'Internet et du Web depuis son apparition. C'est la définition d'un autre espace qui sera un espace utopique, sans lieu, un espace autre ou un tiers lieu. Une utopie qui peut renvoyer aussi aux utopies architecturales de Moore, Rousseau et leurs commentateurs, Vidal-Naquet ou Tionis. Simplement, je pense que ce serait intéressant de sortir de l'utopie, ou en tout cas de cette métaphore, pour essayer de montrer comment la notion d'espace architectural peut être mobilisée autrement que sous la forme de cette simple métaphore. Alors, d'abord, évidemment, l'espace de l'Internet, du point de vue de sa structure, ça a souvent été relevé, a une structuration topologique du réseau qui invite évidemment également largement à mobiliser l'imaginaire spatial pour aborder le domaine du numérique. Quand bien même on le sait aujourd'hui en pratique, l'Internet se distingue profondément du réseau distribué conçu par la RAND Corporation en 1964 pour un réseau décentralisé. Le caractère de l'Internet, c'est quand même celui d'une topologie qui rappelle en quelque sorte la distribution architecturale d'un édifice du point de vue strictement analytique. Cependant, le concept d'environnement réseau qui était proposé par Ted Nelson, par exemple, avec l'hypertextualité, était non linéaire et permettait à l'utilisateur à la fois d'écrire et de lire,
et donc il n'est pas seulement en fait hypertextuel, il y a aussi un espace qui se génère. On retrouve un certain nombre d'éléments ici, mais distincts de l'architecture, notamment la décentralisation, l'hypertextualité, qui n'est pas directement transposable dans l'espace architectural physique, en tout cas, les navigations, l'errance, qui en revanche sont communes, celles que tu évoques dans le cas. Alors pour finir, je voudrais rapidement évoquer un autre aspect structurel du réseau des réseaux qui constitue en fait un des éléments fondamentaux de ce qu'on appelle communément l'architecture du web. En effet, l'espace numérique est largement défini à une couche technologique en fait, par un ensemble de protocoles techniques qui le structurent, qu'il s'agisse d'HTTP, de TCP/IP, et vous savez, tout un ensemble de protocoles. Ces protocoles, en quelque sorte, produisent des interfaces que Alexander Galloway, dans Interface Effect, invite non seulement à définir, mais à interpréter. Les interfaces ne sont pas des objets simples, selon lui, ou des points de contact. Elles constituent des zones autonomes d'activité. Ce ne sont pas des choses, mais plutôt des processus qui effectuent un résultat. Il parle ainsi d'un effet de l'interface et on retrouve certains éléments de la logique processuelle que met en présence dans ton ouvrage sur l'éditorialisation à propos de l'autorité. Il s'agit donc ici non seulement de dire comment celles-ci se définissent de telle ou telle manière, mais aussi de montrer comment elles existent pour des raisons historiques et sociales. Les interfaces racontent les forces plus larges qui les ont engendrées, dit Galloway. Il s'agit pour lui d'une allégorie du contrôle. L'architecture du web, en fait, définit un ensemble de contraintes qui peuvent être modélisées en identifiant les propriétés qu'elles induisent. Et à partir d'une telle modélisation, Roy Thomas Pelding, dans sa thèse, a théorisé rétrospectivement un paradigme de développement d'applications web qui nomme REST pour Resource State Transfer, qui est aujourd'hui très largement le modèle de construction d'applications qui nourrit en fait la mise en place des API, des interfaces programmables. Dans le chapitre 5 de sa thèse, Roy Felding explique que le rationnel de conception qui préside à l'architecture du web peut être décrit par un modèle architectural qui consiste en un ensemble de contraintes appliquées aux éléments au sein de cette architecture. En examinant l'impact de chacune de ces contraintes telles qu'elles s'ajoutent au style en évolution, nous pouvons identifier les propriétés induites par les contraintes du web. Les contraintes additionnelles peuvent ensuite être appliquées pour former un nouveau paradigme architectural qui reflète mieux les propriétés souhaitées d'une architecture moderne du web. Évidemment, ici, on parle d'architecture technique, au sens de l'architecture machine, mais je ne peux qu'être frappé en fait, de la métaphore, de l'usage du mot architecture, et c'est peut-être lui qui induit assez naturellement qu'on se pose la question des rapports entre l'architecture et les espaces numériques. En tout cas, il se propose ainsi à partir d'une table rase, c'est-à-dire d'un modèle vide, sans contrainte, d'introduire successivement et de manière incrémentielle des contraintes afin de parvenir à satisfaire les besoins d'un système, afin de différencier l'espace de conception et de permettre aux forces qui influent sur le comportement du système de se développer naturellement en harmonie avec le système, dit-il. On est confronté ici à une analyse qui est en fait une analyse de déconstruction-reconstruction du système technique. Mais je ne suis pas certain qu'il s'agisse en fait fondamentalement d'un dispositif architectural à la réflexion. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'avais plutôt ce sentiment-là quand on en parlait, Marcello. Et avec les éléments que je viens d'avancer sur les caractéristiques liées à la mesure, à l'échelle, la question peut se poser différemment. Finalement, ce que Felding décrit n'est-ce pas strictement un modèle technique qui fonctionne comme un système et défini par un équilibre en quelque sorte homéostatique entre des contraintes. Donc dans REST, vous le savez, c'est d'abord une architecture client-serveur qui est structurelle puisqu'elle sépare les problématiques d'interface utilisateur de celles du stockage des données, ce qui a pour bénéfice d'améliorer la portabilité de l'interface utilisateur sur diverses plateformes et permettre à deux composants d'évoluer indépendamment, ce qui permet d'imaginer la construction de services, c'est le mode client-serveur, on connaît tous. Deuxième contrainte, c'est celle
dite d'une communication sans état, c'est-à-dire dans laquelle chaque requête du client vers le serveur doit contenir toutes les informations nécessaires pour qu'elle puisse être comprise. Autrement dit, il n'y a pas de transaction intermédiaire entre les deux serveurs. Ainsi, cette requête ne peut utiliser aucun contexte stocké sur le serveur. L'état de la session est entièrement détenu par le client et ça crée évidemment une interface uniforme en quelque sorte, puisque toute requête similaire ramènera systématiquement le même résultat, et ce qui crée un dispositif fonctionnel. Fonctionnel au sens mathématique. L'utilisation d'un cache pour améliorer les performances réseau, qui fait que dans la structure du réseau, on peut avoir des intermédiaires qui relaient cette information, et ce qui explique que justement on partage une communication sans état, puisque un proxy peut être placé entre deux nœuds à l'intérieur du réseau. Et donc cette interface uniforme qui complète les éléments mis en place et qui implique aussi un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire une identification des ressources avec potentiellement leur représentation qui permettra de manipuler ces ressources, et des messages autodescriptifs et l'hypermédia comme moteur de l'application à partir duquel on va pouvoir construire l'ensemble des applications. Le modèle que propose Roy Felding, il me semble qu'il est avant tout en fait un modèle abstrait d'une architecture technique qui est à caractère systémique. La question que je me pose en quelque sorte, c'est de quelle manière cette structure technique définit un espace. Elle définit effectivement des propriétés, des rapports possibles entre ces différents éléments. Elle définit potentiellement aussi une topologie du réseau, une organisation qui serait conforme à un réseau distribué. Mais finalement, je ne crois pas qu'elle dimensionne en réalité les espaces dans un espace physique. Alors, néanmoins, on est bien sur un projet technologique, c'est-à-dire un projet qui a été conçu, conceptualisé, et qui, à cet égard, est à mettre en relation avec les projets architecturaux. Mais le processus en fait, de résolution de la contrainte à l'œuvre dans le projet architectural est probablement de nature tout à fait différente. Ici, on fournit un étant donné qui paraît super fascinant et qui m'intéresse beaucoup, parce que d'une certaine manière, de la contrainte génère émerge un monde, une sorte d'émergence comme ça de la contrainte technologique. J'aimerais bien creuser un petit peu, parce qu'on l'observe en informatique dans plein d'autres domaines. Si on pense par exemple au modèle d'XML, XML c'est un modèle abstrait qui définit des propriétés des nœuds et des relations linéaires entre ces nœuds, et à partir duquel en fait on a un certain nombre de possibilités technologiques et accessibles par un langage. C'est un peu le même dispositif, c'est-à-dire la contrainte crée une forme. Comme en architecture, on essaye de résoudre des contraintes pour produire un édifice. Mais en fait, le type de conditions qu'on essaye de résoudre me paraît de nature profondément différente. D'autant que le référent spatial, pour le coup, même s'il n'est pas unique dans le domaine de l'architecture, paraît complètement ici disparaître. Il n'y a plus de volumétrie physique, et je ne suis pas sûr qu'il y ait une volumétrie dans le web pour ce qui concerne son infrastructure technologique. Alors, la question que je me pose en ayant essayé d'appliquer ça au cadre de REST, c'est fondamentalement qu'est-ce qu'il en est des services que l'on peut construire à partir de ces protocoles. Parce que finalement, le choix que j'ai pris, c'est un choix d'architecture technique. Alors, sur le web, ce qu'on fait avec ces architectures techniques, c'est construire des services. Et probablement que l'analyse appliquée à Facebook, appliquée à Twitter, produirait des résultats très très différents. C'est un petit peu la discussion à laquelle je vous invite maintenant. En tout cas, la métaphore d'espace architectural ne peut être ni strictement géométrique ni phénoménologique. Dans son livre sur l'éditorialisation, en fait, tu proposais d'envisager l'espace comme une production d'autorité dans le sens où ses dimensions
et sa perception organise et structure de manière hiérarchique un espace. On retrouve évidemment ces aspects dans l'architecture, en particulier dans la définition de l'architecture publique, l'affirmation de sa typologie, par exemple. Mais le domaine de l'architecture suggère des dimensions supplémentaires de l'espace qui seraient structurales, d'une part dans leur dimension topologique, et donc un niveau de lecture strictement formel de la géométrie des plans. Mais la distribution des édifices, en fait, organise aussi, en quelque sorte, une hiérarchie à l'intérieur des rapports. Pardon. Et donc, cette dimension topologique, elle, à travers sa distribution, organise en quelque sorte une hiérarchie et des rapports matriciels entre les espaces, entre eux, qui ne sont pas entièrement recomposables en fonction d'un point de vue. Donc, on est à un niveau beaucoup plus contrôlé, en fait, par le dispositif physique, qui contraint en fait le parcours que l'on peut expérimenter. Et surtout, le savoir architectural et l'architecturologie proposée par Philippe Boudon permettent d'envisager en fait la notion d'échelle pour aborder cet espace architectural. Une multiplicité d'échelles sont mobilisées par les architectes dans le cadre de la conception architecturale. Si cette notion est difficilement transposable aux environnements techniques, elle peut probablement s'appliquer plus largement aux productions numériques, qui sont construites à partir d'eux, la dimension technique constituant seulement un des pans possibles de la définition de l'espace numérique, en quelque sorte serait l'échelle technologique du réseau. Et d'autres échelles peuvent sans doute être mises à profit pour penser l'espace numérique que produisent des applications. Et la question, c'est lesquelles et comment ? Tout le monde, ou alors je me rejoins. Je me rejoins. Vous êtes tout le temps, ou alors, ouais, c'est pas obligé. Merci beaucoup, Emmanuel. Super, on a bien fait d'être invité. Juste pour lancer la discussion, je trouve que c'est la question depuis Aristote, en fait. Ce qui est assez intéressant, c'est que Aristote utilise l'exemple de l'architecte, de la maison dans la tête, de la modélisation architecturale, hein, comme exemple récurrent quand il parle d'Entelecheia et d'Unamis. C'est toujours l'architecte. La maison, le bâti dans la tête de l'architecte, etc. Donc on la retrouve là, et alors, à un moment où le concept de modélisation lui-même, outre ce que tu as cité, devient fondamental typiquement pour tout ce qui est donc modélisation dans le sens informatique du monde, donc la modélisation comme processus de numérisation typiquement. Une chose que me fait penser ce que tu disais, c'est notamment un certain usage fait dans l'âge classique des maquettes architecturales pour étudier la statique des bâtiments, ce qui était clairement faux, parce qu'en fait, on ne peut pas raconter les considérations, donc c'est un peu ce que tu disais, mais en fait, il y a cette idéalisation du modèle, comme s'il y avait une correspondance parfaite entre modèle et monde, ce que tu mets en question en te basant sur cette idée d'échelle qui me semble vraiment particulièrement parlante. Donc, mes questions, il y en a plusieurs, mais en effet, pour revenir à la fin de ta présentation, tu dis il n'y a pas de volumétrie. Justement, oui, je suis d'accord qu'il faut diviser, qu'il faut séparer ces côtés, disons, d'architecture idéale, le modèle, de l'architecture en tant que telle, et que donc probablement les protocoles en tant que tels, les protocoles, les formats, etc., doivent être plutôt mis en relation au modèle, à la maquette, qu'à une architecture réelle. En même temps, tu disais, les services en tant que tels, probablement non. Et c'est ça que je pense qu'il faut penser en tant qu'architecture. C'est-à-dire, les moments où nous sommes en train maintenant d'avoir une vidéoconférence ou de toute manière une conférence streamée sur Google, ça, c'est une architecture pour moi, qui est basé
en effet sur le protocole TCP/IP et donc sur des modèles, et aussi sur le modèle de compression des données de YouTube que je ne connais pas, etc., etc. Donc il y a tous ces modèles-là, et donc aussi la modélisation de ma voix, etc. Et il y a d'autres éléments, ce que renvoie à la contingence dont tu parlais tout à l'heure, je ne sais plus si tu disais contingence par rapport à l'architecture, mais en tout cas au fait d'être ici et maintenant, c'est la bande passante, la quantité de connexions qu'il y a en ce moment, quel câble on est en train d'utiliser, combien de personnes sont en train de les regarder, ou avec quel type de dispositif, etc., etc., et de quelle manière, du coup, parce que et ces protocoles-là, et c'est là où ça me semble intéressant, il y a une stigmergie entre le protocole idéal et la situation architecturale, du coup, je pense au sens propre, concrète, parce que les situations concrètes, typiquement la charge de données, combien de personnes utilisent, avec quelle temporalité, dans quelle région du monde, etc., changent l'agencement des protocoles et parfois ils changent les protocoles eux-mêmes. Donc peut-être cette question que tu suggères là au niveau d'échelle, c'est de dire ne nous concentrons plus seulement sur la question de la modélisation et donc des protocoles de format et de l'architecture du reste, etc., de l'architecture dans le sens de building, mais concentrons-nous plutôt sur les contextes réels architecturaux dans lesquels nous habitons, qui mettent en tension ce design idéal avec une échelle concrète qui est celle de ce qui se passe. Le seul problème, c'est que, en effet, comme tu le disais à la fin, quel service ? C'est-à-dire que potentiellement, le problème, c'est que, mais peut-être en architecture aussi, qu'il est très difficile d'établir un périmètre d'observation pour dire c'est cette architecture-là que je regarde. Parce que je ne peux pas regarder seulement Google, par exemple. Parce que, par exemple, là, si je parle de l'architecture concrète, je dois regarder la bande passante de l'université. Il y a des choses. Oui, voilà, donc je voudrais entendre sur ça. Comment on fait pour, en architecture, comment on fait pour dire, j'analyse cette maison-là, comme tu le disais, les rapports entre l'extérieur et l'extérieur deviennent fondamentaux. Où est-ce que je m'arrête dans la définition du périmètre pour étudier les chaînes? Il y a plusieurs échelles, on peut travailler à l'échelle de la vie. La question, en fait, plutôt, je pense que, au départ, je me suis demandé si, par exemple, on pouvait utiliser des notions classiques en architecture, comme la symétrie, proportion pour essayer de regarder ces dispositifs. Je ne suis pas persuadé que ces notions-là soient fondamentalement productives. Dans l'exercice auquel je me suis prêté, je me suis beaucoup appuyé sur le travail de Philippe Dubon. Vraiment, je pense qu'il faut lire Philippe Dubon parce que c'est très, très, très pertinent, notamment parce qu'il y a un caractère, un vrai effort de définition scientifique de l'activité architecturale. Mais l'orientation que ça donne cette question, c'est que l'architecture, c'est d'abord un travail de projet. Donc, c'est un travail de conception. Or, observer, en fait, un existant entre un peu moins dans cette analyse-là, en tout cas celle que j'ai proposée, qui était plutôt celle de du travail de la projetation qui concilie des contraintes à travers des dimensions d'échelle et des réseaux à l'intérieur d'un édifice. Alors, peut-être qu'il faut distinguer les plusieurs niveaux, parce qu'il y a des configurations, en fait, qui sont celles bien sûr, inscrites physiquement dans des espaces, mais tous les espaces ne sont pas des architectures, fondamentalement, et qui ont une dimension spatiale, qui peut être physique, et peut-être réserver la question de l'architecture à la dimension de la conception, en réalité, de ces espaces numériques, et travailler sur la conception des services, en réalité, les penser comme des éléments construits, gouverné du coup par la projetation et qui cherche à résoudre un certain nombre, qui concilie en fait un certain nombre de contraintes techniques, sociétales, etc., etc. Donc c'est plutôt, du coup, moi, j'aurais tendance à introduire cette distinction-là à partir de ce que j'ai expliqué. Il s'appuie sur la stack,
décrire un environnement dans lequel on met la Terre. Les humains, mais aussi les objets, etc. L'interface. Un des propos de Simon dans cet article, c'est cette idée que les écritures logicielles ne sont pas une voie particulière à une autre voie. Il s'agisse intéressant, tu me fais penser à ce qui est une monométrie. Alors, c'est le monde d'une matérialité, de la matérialité de la sac. Pour les faire travailler vraiment à l'intérieur, de manière endémique. Et par rapport à ce que tu disais sur les services, considérer eux comme des architectures, des espaces. C'est intéressant cette idée que Internet, dans la stack, il décrit Internet comme un modèle accidentel. Les projets, on va parler d'un projet, des capables, qui est justement remettre l'ordre dans ces accidents. Donc, les capables, c'est véritablement des espaces. Ça m'intéresserait beaucoup de lire cet article, en l'occurrence, parce que je pense que la question de la critique des infrastructures numériques, en fait, est un sujet super intéressant. Il y a Alain Liu qui pose pas mal la question des infrastructures numériques, mais du point de vue de la politique des infrastructures et des politique des infrastructures. Ça permet aussi d'historiciser le web, à mon avis, de mettre le web numérique en général, de le réinscrire dans des choix politiques, etc. Alors dans ce cas-là, si on suit ce que tu dis, Google, c'est les architectes. Et ce niveau intra, comment tu dis qu'il est intériorisé, c'est-à-dire en gros, il est au niveau des pratiques et de la transformation des usages, qu'est-ce que... Comme l'écriture, en fait. Non, ils existent. Pour le faire un peu de l'aide, voilà. Je peux le faire. Voilà. Non, on a pas envie d'en avoir. Vas-y. Là, c'est un petit peu ce que j'attendais pendant un certain temps, et puis ça a été un peu une extrémiste à la fin. Avait justement on prend l'option, non pas justement projection, mais comment on l'utilise, comment on se sert, en quoi le
gérer cette manière de repenser à partir de la notion d'échec, le jeu des choses. À vrai dire, tu l'as compris, hein, si je l'ai dit à la fin in extremis, c'est parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de travailler comme j'aurais souhaité cette partie-là. Évidemment, en fait, c'est aussi partant du constat que l'exemple que je prenais n'était pas assez fructueux aussi pour nourrir un rapport. Je ne suis pas sûr qu'envisager cette échelle-là des usages relève complètement de l'architecture. Parce que finalement, c'est un usage non spécifique de l'architecture qui peut être utilisé en sociologie ou en géographie. Ce qui est vraiment frappant dans la définition que donne de l'échelle, c'est très bien aussi, c'est que il en fait en fait une notion fondamentale de l'architecture liée à la question de la conception. Articule la conception. Donc c'est pas exactement le même rapport que celui qu'on a dans l'analyse en géographie, par exemple. Mais clairement, l'échelle, ça n'invalide pas du tout la pertinence de la notion d'échelle pour envisager la question de l'espace numérique, cette fois-ci en tant qu'espace d'une autre nature. Beaucoup avec des usagers, des acteurs de la vie, en charge aussi d'autres éléments un peu plus symboliques, un peu moins concrets, mais ce sont vraiment des mots, faute de mieux. Mais aussi la question des usagers, de la politique qui s'intègre à même la construction architecturale de façon directe, une question d'urbanisme. Plus, c'est Michel Lusseau qui, dernièrement, qui est à Montréal, qui a été semaine. Qui parle justement du fait que le problème à la base de discipline qui travaille l'espace, de discipline humaine qui travaille l'espace, c'est justement la question de l'échelle, de la distance à combler, et donc un jeu d'échelle. Est-ce que tu penses que ce serait plus pertinent d'emprunter les outils de l'urbanisme plutôt que ceux de l'architecture? Penser le numérique en tant que. En fait, il y a plusieurs traditions d'urbanisme. Il y a une tradition architecturale, il y a une tradition géographe, et il y a une tradition sociologique. Donc évidemment, prendre la question du point de vue de l'urbanisme, ça peut permettre aussi de multiplier les fronts. Mais clairement, on a un espace aménagé, ça j'en suis convaincu. Et on a un espace urbanisé d'une certaine manière. Qui définit un certain nombre de voies de circulation, des choses comme ça. Donc, si on prend plus la dimension, par exemple, d'infrastructures techniques, c'est le domaine de l'ingénierie, on le retrouve très directement dans le domaine du web. Alors, peut-être qu'il y a une métaphore architecturale à filer aussi du côté de l'ingénierie et de l'imaginaire technique, aménageur, en fait. Je pense qu'il faudrait. Ça vaudrait la peine, par exemple, de regarder ce que dit Picon de cette question-là. Parce que Picon, il s'intéresse depuis très longtemps au numérique, mais d'abord, il travaillait sur les ingénieurs au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, sur l'aménagement des réseaux, des routes, et de la conception de l'aménagement des territoires, de son organisation. Donc, probablement que ce serait peut-être plus fructueux, parce que ça donne aussi plus de. Ce qui n'exclut pas l'architecture, en fait. Ça n'exclut pas l'architecture, ça peut éviter d'être enfermé en plus. Ça relativise, ça donne plus de perspectives et ça peut la sociologie, probablement. Il me semble le fait que essayer de réfléchir au rapport entre architecture et urbanisme permet de faire
montre très bien, c'est que un des éléments, c'est évidemment l'environnement architectural, mais aussi l'échelle, les échelles sont entre une ambiance d'une petite ruelle tortueuse de Naples, n'a rien à voir avec une grande avenue de capitaliste. Et donc on est justement dans des jeux d'échelle où on se mêle, s'entrecroise, s'entremêle, à la fois des considérations qui relèvent de l'usage qu'on peut en faire, mais aussi des façons d'habiter, de rentrer dans ce qui se passe et de voir comment on peut à la fois servir et desservir autrement les formes urbaines. Des modèles assez intéressants là, pour utiliser les questions de réseau, des conduites, mais aussi des formes qui se diffusent, que peuvent faire les moyens. Il me semble qu'il y a un des intérêts de la part de la question. Non, c'est un petit peu. Et le fond, c'est un débat difficile à saisir, mais en même temps. On a peut-être là des choses à creuser jusqu'à des urbanités à préférer comment être urbain je pense que la possibilité quelles sont les voies civilisées à emprunter et de création de civilité par rapport aux autres mais surtout dans un effort contre l'univers géographe, Luchor commence à parler de la disparition de la non-urbanité. Le non-urbain n'existe plus. Au mieux, on peut parler de périurbain. Et ce qui n'est pas vraiment, bon, ça vient de plus en plus résiduel, et juste qu'une idée, l'idée qu'on utilise pour parler du contraire d'une urbanité, donc définir en négatif. Mais ce qui est intéressant dans la question de l'ambiance, là, il y a aussi un jeu de certaines choses que les penseurs de la ville d'aujourd'hui commencent à réintégrer, c'est-à-dire une matérialité entre guillemets invisible, comme l'odeur, le son, etc. Par exemple, on peut dire que l'ambiance de la ruelle de Naples est aussi due au type de musique que les gens jouent dans cette ruelle. Et on pourrait même dire, essayer de creuser la métaphore, on peut dire que si les GAFAM existent, si du côté Apple des GAFAM existent, c'est peut-être davantage une question de design, de beaux appareils. Par exemple, tout le monde achète Apple parce que à la base était stylé, ce sont des dispositifs qui ont de la classe. Et donc ça relève un peu de la musique jouée dans la ruelle de mais qui contribue par un détour, contribuer à structurer l'espace numérique, tant qu'on pourrait dire, genre, aujourd'hui, Google est le parent haussmann de l'époque du Paris, en train de terrasser plein de choses et créer des avenues, des boulevards immenses pour son intérêt. Une autre chose, toujours sur cette question de l'urbanisme, merci Eric, en effet, c'est une bonne piste. Une autre chose qui me semble intéressante, c'est quelque chose que Emmanuel, tu as parlé, les rapports entre intérêt et extérieur. Il me semble que dans une notion d'urbanisme, même si pas du tout compétent, mais les rapports entre intérieur et extérieur sont dynamiques et multiples. C'est-à-dire que c'est toujours dans l'intérieur ou dans l'extérieur de quelque chose selon comment tu habites l'espace. Donc, tu es à l'intérieur d'une ruelle, mais à l'extérieur d'une maison, ou à l'intérieur d'une maison, mais à l'extérieur de la maison à côté, ou à l'intérieur d'un endroit. Tout peut être reconfiguré. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas, directement une. L'urbanisme ne s'effondre pas sur une notion donnée à l'avance d'intérieur et d'extérieur. C'est plutôt des dynamiques que ça met en place. Là, ça me semble intéressant. Par rapport justement à essayer de
qu'on essaye un peu de faire avec la littéralisation, c'est de penser au-delà des définitions dispositives des plateformes. C'est-à-dire, on est sur Google, on est sur Twitter, je suis sur mon blog, je suis... Et en fait, on se rend compte que c'est l'ensemble de ces espaces ne sont pas du tout étanches et que l'intérieur et l'extérieur de ces espaces est très difficile à définir. Mais c'est vrai que parce que tous les dispositifs de seuil comme les métadonnées, les moteurs de l'indexation, les trucs, etc., puis les relations entre l'ensemble, c'est là que ça se joue. La structure de l'espace numérique se joue dans une série de relations entre l'intérieur et l'extérieur qu'en effet, en pensant architecture réduite à l'architecture d'un bâtiment, peut-être on perd parce que il y a pas ces jeux, il y a moins ces jeux. Bon, même à l'intérieur d'un bâtiment, il y en a, mais moins ces jeux d'appropriation. Donc, voilà, peut-être. Et c'est là où, si la métaphore de Osman, Google comme Osman fait peur, je me demanderais en quelle mesure cette idée d'urbanisme peut, au contraire, être porteuse de pistes d'émancipation. Alors, de quelle manière on peut s'approprier l'espace public si c'est une ville, plus que si c'est des villes, plus que si c'est des bâtiments. Alors, Saskia Sassen a écrit pas mal sur la question de la privatisation progressive de l'espace public, de l'espace visuel public, avec toute l'analyse de la présence des marques, des sociétés, etc., dans l'espace visuel des villes. Là, outre que de l'espace visuel, on parle vraiment de l'espace à tant que tel, les boulevards Google, ça va revenir, on va mettre un brevet. Et alors, de quelle manière l'urbanisme peut nous donner des pistes d'émancipation? Je ne sais pas, mais il y a des architectures tactiques, un peu à la manière de ce que décrit dans son livre, comment ça s'appelle, dans le livre que tu as publié. Surveiller et sourire. Non, Sophie Limard, par exemple, donne des exemples de démarches tactiques dans l'espace urbain, là, pour le coup, de résistance à la surveillance en général, mais il en existe aussi en architecture. Je voulais quand même préciser la distinction que tu fais entre urbanisme et architecture, en fait, elle est... je pense que c'est mon propos, probablement, qui déforme la vision de l'architecture. C'est-à-dire que les architectes revendiquent le périmètre de l'urbanisme. Je ne veux pas donner l'impression que les architectes ne s'occupent pas du dehors et les rapports entre le dehors. Au sens où, parce que, en fait, là, j'ai plutôt fait référence à la tradition classique de l'architecture, mais si on regarde la tradition moderniste ou contemporaine, la question du dedans et du dehors, de l'espace, d'un espace fluide, le Grand Clown chez Luce, etc., ce sont des choses qui sont présentes en architecture et qui sont pensées. Et je pense qu'en plus, les architectes ont probablement en urbanisme une vision ménageante, probablement, mais peut-être différente d'un géographe urbaniste, ou même d'un sociologue urbaniste. Ils vont penser une dimension esthétique. Ils vont probablement plus penser, en tout cas pas la question des pouvoirs, mais en tout cas, des éléments qui sont des éléments qui font rupture à l'intérieur de cet environnement. Je crois, parce que j'aime l'architecture en tout cas, mais je veux dire, j'ai le sentiment en tout cas que l'urbanisme des architectes est probablement moins monotone. Je vais me faire détester par les autres, mais c'est ce que je pense. Ça vous intéresse de lire la page de Louis Vuitton, parce que c'était intéressant. Avant, il écrit la stack. La stack forme une méga structure accidentelle. Sa composition résulte autant de conflits et d'incompatibilités forcées à se connecter les unes aux autres que de projets savamment calculés, conquêtes stratégiques. C'est au fil d'accidents, de choses imprévues qui arrivent et qui foirent, que se sont mises en place et que se renouvellent sans cesse les entités peuplant les différentes strates.
Au sein de cet empilement à la fois rigide, rigidement automatisé et perpétuellement improvisé, c'est certainement l'échelle des plateformes comme les GAFA et Matu composant le cloud qui est la plus nouvelle et la plus intéressante. C'est avant tout sur l'inconscient des plateformes qu'il convient de se pencher si l'on espère mieux évaluer les dangers et les espoirs propres à nos infrastructures. Même s'il est important de comprendre en quoi nous entrons dans une ère de souveraineté des plateformes, il serait aussi trompeur de les concevoir comme des États, comme des formes de marché, parce qu'une plateforme est à la fois un État, un marché et une machine. C'est à nouveau Benjamin. On peut d'ores et déjà esquisser une caractérisation sommaire de leurs propriétés et de leurs effets. Plutôt que des scénarios tout écrits, les plateformes composent une scène sur laquelle chacun est invité à déployer l'action qui lui conviendra. La standardisation rigoureuse imposée à quiconque y monte fait fortement contraster une liberté des fins et une autocratie des moyens. Plus souvent on monte sur une plateforme et plus on est nombreux à monter sur elle, plus on la nourrit d'informations et plus cette information gagne en plus-value pour l'utilisateur comme pour la plateforme. Mais aussi plus les barrières tendent à s'élever autour d'elle, rendant plus coûteux l'équité pour une autre. Les plateformes génèrent des identités qui tendent à coller à leurs utilisateurs, qu'ils le veuillent ou non. Les plateformes sont souvent trompeuses, ce qu'elles ne ressemblent pas d'ailleurs. C'est un peu plus loin. Par rapport au tournant matérialiste des études des médias, et c'est-à-dire celles qui retournent à une archéologie des médias, une archéologie des réseaux notamment, et toute la matérialité qui vient avec, c'est intéressant. Benjamin Bratton semble avoir déplacé le curseur, il ne parle plus seulement des dures réalités du hardware, les kilomètres de câbles, les montagnes de serveurs, les mines à ciel ouvert ou les décharges empoisonnées, mais tout autant de souples virtualités du software. Un système d'exploitation comme Windows ou Linux, un algorithme comme Adrian, Google ou une application pour smartphone ressemble pourtant bien à des infrastructures fournissant les bases, les cadres, les règles au sein desquelles nous faisons circuler l'information. Mais ces infrastructures sont diffuses, partagées, immatérielles, comme les connaissances et les informations. Les logiciels sont des biens non rivaux, à savoir des biens qu'on peut donner sans les perdre soi-même. Je peux vous apprendre l'anglais sans le perdre, je peux vous donner une copie d'un logiciel sans m'en priver, ce sont des biens qu'on peut partager sans devoir renoncer à sa propre part. Leur localisation pose donc des problèmes inédits. C'est pourquoi les strates de l'empilement ne se laissent pas dessiner sur nos cartes de géographie, alors qu'une ville, un serveur, un utilisateur peuvent être situés précisément en termes de longitude, de latitude, un réseau, une interface ou une adresse email échappent souvent à toute localisation stable, se situant entre nous, partout et nulle part, plutôt qu'ici, là, dessus ou dessous, dedans ou en dehors. Il y a bien un dialogue en fait entre. Il y a effectivement, c'est ce qu'il raconte, c'est qu'il y a effectivement que ces plateformes créent des espaces, c'est ce qu'il appelle des scènes d'action. Et qu'on ne peut pas penser ces espaces malgré tout en termes de. Géographie. En termes géographiques, je ne suis pas complètement convaincu par sa proposition parce que, d'une certaine manière, les géographes ont de plus en plus la dimension sociale de la géographie, des espaces perçus. Puis je pense en particulier au travail que vous avez présenté, Enrico, avec. Voilà, aujourd'hui. Estelle Proulx, sur la cartographie web, il y a des tentatives, et donc finalement, on peut donner une représentation spatiale de cet ensemble. Et moi, j'avais plutôt l'impression, et c'est pour ça que je prenais l'exemple de la topologie des plans, de la typologie. En fait, ce qui m'intéressait dans cet exemple-là, c'est que dans un espace contraint de la parcelle, on doit dessiner en quelque sorte un labyrinthe qui répond à des contraintes externes qui sont des fonctions et pour lequel l'architecte arbitre avec un niveau de contrainte qui va être par exemple la portée d'une poutre qui impose le placement d'une colonne à intervalles réguliers pour créer des supports. Donc cette trame architecturale qui commande les espaces, qui les organise de manière hiérarchique, est vraiment définie par plusieurs plans. Elle est définie par un plan technique, elle est définie par un plan fonctionnel, elle peut être définie par un plan symbolique, on va avoir des espaces qui commandent d'autres, et ça organise en fait la signification de l'espace architectural, et une série de contraintes externes, de coûts, des choses comme ça.
Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que ça, à mon avis, cette partie-là, elle est en partie transposable probablement à l'analyse des services. Et d'une certaine manière, ça peut forcer aussi à essayer de regarder les services comme des circulations. Là, il y a peut-être quelque chose à... Je ne sais pas, hein, c'est un, très intuitif en fait. Sans les réduire à l'interface. C'est ça. Ouais, ça rejoint le concept de l'architecture de l'information. On peut creuser cette question-là, ça serait intéressant. Je me demande, je ne sais pas si, mais par rapport à cette question des services, ce qui me dérange un peu, c'est les mots services. C'est un peu penser justement, hein, là qu'on a une action architecturale qui est faite par celui qui donne les services. Que ce soit la plateforme ou même si on va au-delà de la plateforme, mais quand même, il y a des usagers. Et en fait, je me demande à quel point, du coup, vraiment, je ne sais pas comment je dois comprendre l'opposition entre la relation entre l'architecture et l'urbanisme. Je ne sais pas, donc évidemment, ce n'est pas comme si les architectes étaient enfermés dans une maison. Je me demande, est-ce que la dimension de création d'espace, même collective, qui peut se faire typiquement via des appropriations ou des pratiques, en effet, je pense à White et à ces trucs des chaises dans les villes, des espaces où on va s'asseoir et le soleil, son travail sur ça. Il y a là une idée d'architecture, je ne sais pas si c'est de l'architecture, mais je pense que oui, c'est-à-dire c'est parce qu'il y a la dimension de projectation, de conception, il y a une dimension d'échelle, il y a une dimension aussi qui reste ouverte dans la mesure où l'espace, et donc phénoménologique, si tu veux, dans la mesure où l'espace est designé pour que la progression soit possible. Et que ça devienne autre chose. C'est pour ça que, oui, en effet, dans mon livre, parce que je suis optimiste, j'ai mis presque entre parenthèses, j'en ai parlé, mais très peu, par exemple, de cette dimension des contraintes de l'architecture, parce que ce qui m'intéresse, c'est plutôt la production d'un design for losing control. En fait, moi, ce que je trouve vraiment... Ça, c'est peut-être ma perversité dans ce cas-là, mais ce que je trouve beau en architecture, c'est la résolution du contrat. C'est un moment où tu regardes un détail architectural, par exemple, qui s'aligne avec le tout de l'édifice, et qu'en même temps, il y a une réponse technique extrêmement précise et élégante. Et là, surgit, à mon avis, la beauté. Dans le beau de vrai l'utile, c'est pas par hasard, je pense, c'est glissement de l'intrigue du tout, mais en tout cas, c'est ça qui m'émeut le plus en architecture. Finalement, la contrainte, enfin, ce que je veux dire, c'est que la contrainte, elle est productive. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je prenais l'exemple de REST, parce que dans REST, il y a cette dimension productive de la contrainte. C'est-à-dire que c'est la contrainte qui génère les mondes. Non, c'est vrai. Il y en a d'autres qui pensent que l'ordre vient du chaos, mais... D'accord, d'ailleurs, tu citais Valérie, donc c'est la contrainte qui génère le monde. C'est vraiment frappant dans le numérique. C'est peut-être pour ça que j'étais induit, je ne sais pas si j'étais induit en erreur, mais en tout cas, d'une certaine manière, quand moi je fais le rapprochement entre architecture et numérique, c'est ça que je vois en réalité. C'est ça qui, en tout cas, moi m'accroche. C'est pour ça que, par exemple, je peux me mettre en rapport aussi avec XML. Mais en allant plus loin dans le raisonnement, je ne suis pas sûr que ça tienne longtemps. Par contre, cet espace-là, qui peut être un espace contraint, il offre 20 000 possibilités. Tu vois, je t'ai montré l'autre jour la pièce de Foresight, One Flat Thing Reproduced. Il y a des danseurs qui investissent en fait un étant donné, qui est très très contraignant, mais qui devient en fait le générateur, en tout cas, de l'utilisation possible. Donc, je comprends le souci d'émancipation, etc., mais je ne suis pas sûr qu'il s'oppose en réalité à la structure contraignante de l'espace donné. Et pour l'architecte, dans le geste architectural, l'espace donné n'est pas qu'une contrainte, c'est un élément productif. Oui. Si tu veux.
quand tu as un territoire, tu vas avoir une pente, tu vas devoir faire quelque chose de la pente. L'architecte, il va essayer de penser ce qu'il en fait. Peut-être qu'il va la faire apparaître, peut-être qu'il va la dissimuler, peut-être qu'il va dialoguer, je ne sais pas ce qu'il va faire avec. Un exemple de l'artiste avec les chaises, il y a aussi des formes de paracontraintes, si tu veux, c'est-à-dire des contraintes qui permettent de sortir en liberté, une liberté sous contrainte. Là, on peut jouer en liberté avec les chaises, c'est un commun simple, de l'environnement. Et puis, il y a des pratiques qui détournent des contraintes. Je pense que c'est sûr, on est un peu tous d'accord, parce que c'est le cas dans tout espace. La question que pose Citon, à mon avis, c'est une question qui a déjà été largement posée. C'est celle de la perte de contrôle, c'est l'hétéronomie du code, etc. Et je ne sais pas si toi tu la poses à ce niveau-là, je ne crois pas en fait. Non, pour moi, c'était plutôt une question de limitation de tout l'histoire. Et donc, de qui est l'architecte de quoi. C'est-à-dire. Ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'il y a M. Google qui produit une architecture qui est, admettons, les services, en tant que service, qui est le moteur de recherche et puis Google Hangout. Je ne veux pas les séparer ces choses-là. C'est-à-dire que Google fonctionne avec Facebook. Non, bien sûr. Donc, il y a deux endroits où tu refuses tout à fait la logique de service. En fait. Oui. Oui, mais tu vois, du coup, qui est l'architecte de quoi? Je voudrais voir à quel point on peut sortir de la logique des plateformes. Même des plateformes comme celle, même des plateformes pour losing control, la maîtrise de la déprise, peu importe. Est-ce qu'on peut sortir de ce... Sortir sans émanciper ou sortir d'un point de vue théorique? Les deux. Parce que je pense que pour s'en émanciper, donc, d'accord, les tactical media, les Sophie Limard, etc., nous donnent des pistes. Si on considère... Je réponds les trucs. Si on considère qu'on a des architectures qui sont construites par des acteurs principaux, tels que les grosses plateformes, par exemple, qui construisent les choses, on a cet urbanisme, Haussmann, etc. Puis nous, on est dedans et on fait ce qu'on peut avec. Détournement, tactical media, bombe, ce qu'on veut. Mais ça, c'est une conception. Je me demande, est-ce qu'on a la possibilité de penser l'espace numérique de façon différente, et alors de ne pas penser que les architectures, c'est les différentes plateformes, même si elles sont en dialogue entre elles, mais qu'il y a quelque chose de différent. Typiquement, l'espace les espaces d'appropriation. Je reprends en ce temps parce que c'est donner une piste à la fin qui est intéressante. Évidemment, l'idée principale, c'est de dire, on ne sait plus s'orienter dans ces mondes, pacifie en tout cas en permanence ces interfaces. Donc il faut éduquer pour comprendre. Il y a un truc intéressant qui dit c'est qu'est-ce que font ces plateformes, elles court-circuitent d'interprétation, de réflexion, donc elles poussent à agir de manière réflexe, voire ailleurs. Donc, au lieu d'être, j'essaie de reprendre mes notes parce que c'est-à-dire que les médias du 21e siècle ne considèrent non plus comme des sujets pensants, mais comme des capteurs ultra-sensibles. Dans notre système. Donc, au lieu d'être les agents de feedback dans leur boucle, les boucles récursives du système, il faut qu'on essaie de produire du feed forward, non pas du feed, de projeter, de projeter une pensée. De ne plus être toujours en retard par rapport à ce qui a été proposé pour nous, un jeu de données, peut-être,
d'arriver à projeter en avance. C'est assez intéressant. C'est une piste complètement intellectuelle. En même temps, tu vois, l'article de Louis, dont on parlait l'année dernière, sur la construction de la question de grâce, c'était son hypothèse, ça, et de dire construisons-le, et en fait, on peut changer la règle d'une certaine manière, la règle de la question de grâce. Oui. J'ai l'impression. Parce qu'elle remet, dans son article, elle remet en relation et en feedback loop des sujets, non pas des machines. Exactement. C'est-à-dire, et c'est quoi, c'est là, excusez-moi, je vais m'en investir là, mais c'est réintroduire des. C'est réintroduire de l'interprétation dans ces dispositifs. En tout cas, une possibilité d'interprétation. Que le sujet revienne. Mais l'argent dans ta préoccupation, il y a aussi. D'essayer de penser fort globalement ou d'une bonne façon. Et ça, ta préoccupation. Oui. Une chose que je trouve assez importante dans cette forme, c'est le minimum de la position entre l'intérieur et dedans, intérieur et extérieur. Mais, justement, c'est une chose que la théologie des médias nous a apprise, c'est qu'il faut aussi penser en termes de haut et bas, ce qu'il y a en bas de nous, ce qu'il y a de nous, c'est-à-dire Internet, c'est aussi des tables facteurs. On est sur des plateformes, oui, on est sur Google, oui, on peut penser en dehors comme on fait par exemple sur Microsoft, dévouvrisant Internet, mais en bas, la couche en bas de Microsoft, c'est qu'on a tous accès à Internet via des fournisseurs privés. Et on a beau essayer de déjouer Internet, le web tel qu'il était, et quand on est justement dans l'arbre et dans le protocole, c'est l'exemple de l'Electronic Disturbance Theater, l'équipe qui utilise les moyens d'Internet pour faire des choses. Ils ont inventé les Transborder Migrant Tools, c'est un GPS qui aide les migrants à traverser la frontière aux States. Mais au bout d'un moment, Verizon leur a coupé Internet. Donc, c'est une question aussi d'être à quel niveau, à quelle profondeur on se situe dans la question des plateformes et de l'architecture. Parce que là, du coup, au niveau des projections, en effet, peut-être qu'il faudrait faire une différence entre des protocoles terrestres et des protocoles des couches plus basses, des protocoles typiquement TCP/IP. Ou. C'est pas très riche, Non, c'est pas très riche, mais quand même. Non, il n'est pas très riche, mais quand même. Par exemple, ils fondent la connexion sur l'identification. C'est quand même quelque chose. En fait, moi, j'avais plutôt l'impression, en parlant de reste, que c'était un petit peu un environnement technique, c'est-à-dire en gros la question de la résolution de la portée d'une ferme, un système technique qui permettait d'assurer un grand couvrement au minimum de matière. En autant ce. Oui, exact, mais dans le cas, c'est que, en train de dire Eric, on sait que c'est quelque chose de plus, au moins dans le cadre des protocoles plus bas. Ce n'est pas seulement une règle formelle qui permet de résoudre une problématique, mais c'est plutôt la condition même de bâtir, tu vois. Oui, mais du coup, dans l'architecture, ça a beaucoup de conséquences. Avoir une poutre qui a une grande portée, c'est-à-dire que tu n'as pas dans le support intermédiaire. La configuration de ton édifice globale, elle est complètement modifiée par des questions. C'est vraiment une dépendance. C'est très beau. Oui, mais je veux dire, l'architecture, c'est un objet très synthétique. Alors, bizarrement, Boudron, lui, parle de méta-objet. Pour rendre compte justement de tous les plans de l'échelle dont l'objet est en fait la reconstruction et l'incarnation. C'est-à-dire, si demain le Canada nationalise les câbles, tous les États du monde nationalisent les câbles, on a changé une petite couche de numérique, on a changé une petite couche, on a tout changé.
ou si les États décident de l'envoyer dans l'espace, vous savez, pour Internet, on a tout changé. Et pourtant, Google va rester là, va avoir des données, etc. Puis, on décide juste de dire que les données produites par les usagers sont propriété de l'État et pas de, des individus. Google doit négocier les données avec les États. On a juste changé une petite partie de la structure. Et on va changer le fonctionnement de Google, forcément. On va changer la qualité des données. Mais ce sont des petites interventions. Mais au-delà de penser qu'est-ce qu'il y a derrière Google, il faut aussi penser qu'est-ce qu'il y a en haut de Google et en bas de Google. C'est le fait que les États ont renoncé à une partie, les universités ont renoncé à une certaine partie dans le jeu. À mon avis, c'est une question d'architecture. C'est juste un biais au. De toute façon, si on distingue espace architectural d'espace urbanistique, à mon avis, il faut le justifier autrement que simplement par le fait que c'est le réseau et donc ça c'est plus le territoire, l'aménagement, c'est quelque chose. Plus d'essayer de penser du coup les procédures qui sont spécifiques à chacun de ces domaines d'application. Mais je dis ça parce que la question des infrastructures, elle est très liée à leur gouvernance. C'est là aussi, et du coup, c'est peut-être pas de l'urbanisme, c'est peut-être strictement de la politique. L'urbanisme, c'est. En limite, tous les métiers de l'aménagement sont des métiers qui sont très liés à. Finalement, d'abord, c'est pas très étonnant qu'on s'y. Il y a là des pistes intéressantes. Alors, au niveau de pour régionaliser la qualité, est-ce qu'il y a des interventions? Pour résumer, il y a cette idée d'échelle que tu as apportée qui me semble vraiment important. C'est ce bouton, moi. Oui, bon, ce bouton, mais il a apporté dans la discussion, ça me semble vraiment important. Il y a cette idée de projet de type architectural dont tu parlais, me semble aussi important. Et puis, cette idée que nous apporte Enrico de l'urbanisme peut-être à parcourir. Est-ce qu'on peut dire, on a encore une dizaine de minutes, quelque chose à propos de Durand et de cette idée d'éléments à combiner? Je disais architecture IKEA, évidemment pour rire, mais quand même parce que ben, IKEA a quand même construit un empire sur. C'est une idée très très simple, des modularités très 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 simples. Du coup, il y a chez IKEA une modélisation très poussée et avec une granularité très bien choisie. C'est-à-dire que ce qui me semble super, ce qui me semble très intéressant, très réussi en tout cas de l'acte d'IKEA, c'est choisir la bonne granularité. Alors, c'est ça qui me fait un peu penser. C'est-à-dire que la question, quand on fait ce type de quadrillage-là, c'est quelle est la granularité du module que je prends comme truc. Alors, pour IKEA, évidemment, tu as des dimensions qui sont standardisées, qui doivent être autour de 30-30 par module, puis tu as la composition de l'ensemble de ces trucs, et puis tu construis un appartement avec. Et en plus, autre chose fondamentale, tu peux le plier et le faire disparaître pour le mettre dans une voiture. Du coup, la granularité est choisie sur la base d'une série de contraintes qui sont en effet des modes de vie et des pratiques les caractéristiques des échelles bâties, mais aussi d'autres échelles, c'est-à-dire typiquement l'échelle de la voiture. Et c'est ça, d'une voiture moyenne.
En plus, l'appel d'une voiture moyenne plutôt grosse, mais donc ici ça fonctionne très bien, ça fonctionne un peu moins bien parfois avec des voitures européennes où ça rentre pas. Mais voilà, bon. Est-ce que là-dedans, le choix de la granularité était fait comment et quelles étaient les contraintes auxquelles elle répondait? En fait, il est d'abord fait en rupture par rapport à une systématisation du modèle. C'est-à-dire qu'à l'origine, en architecture, le travail modulaire dans la composition du plan existe déjà. C'est-à-dire que la pratique du plan d'architecture est une pratique qui est générée à partir de l'ordre. Et l'ordre, il est défini par un module qui est une portion du diamètre de la colonne. Et du coup, il a tendance à varier, il est censé varier en fonction de l'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, on a un rapport mathématique qui définit de l'ordre utilisé, le type d'entrecolonnement, les espacements, etc. Le geste de Durand, c'est une rationalisation radicale de du module, en fait. C'est-à-dire que le module, il est ramené indépendamment de l'ordre à une unité commune et qui va régner sur les trois ordres et systématiser le système. Le même mouvement, parce que c'est exactement contemporain de la généralisation du système métrique. Et donc, c'est pas du tout neutre, par ailleurs, parce que c'est une rupture fondamentale, en fait, avec les théories de l'architecture. Au XVIIe, il y a des grands affrontements à l'Académie, le premier grand affrontement entre Jandel et Perrault, c'est un affrontement sur la question des rapports de proportion entre la querelle des anciens et des modernes, qui porte sur le fait que, oui ou non, on doit adapter la taille de l'ordre pour des raisons optiques ou préserver une sorte de pureté mathématique du bâtiment dans ces rapports. Et deux opinions étaient plus ou moins sur les œuvres de l'Antiquité, parce qu'en fait, les constats de Mignon montraient que c'était des deux diversités. Et du coup, c'est compliqué. Il a inventé. Du coup, là, il y a vraiment une. Très radical. Et en fait, ça intervient, c'est pas non plus un hasard, c'est à l'école des ponts et chaussées, qui en fait est l'école d'ingénieurs. Mais ce qui est frappant, c'est la diffusion de la méthode. C'est-à-dire que la méthode, elle est diffusée chez les architectes. Et là, l'avantage en fait de défocaliser sur la question de la décoration architecturale pour se concentrer en fait sur la composition. Et de jouer en fait une articulation plus simple qui du coup laisse peu de place au décor, réduise le coût de la construction et répond assez bien à des besoins fonctionnels. Voilà, en écoutant ça, je me demande quel est le. Je ne sais pas de quelle nature, très profondément, de quelle nature est la bataille. Est-ce qu'elle est une bataille esthétique? Ou est-ce qu'on peut aussi la porter sur une bataille politique? C'est pas. Est-ce qu'il y a un lien à faire? Quand tu posais la question de la granularité, dans l'espace numérique, on est d'abord ici motivé par les questions politiques, voire philosophiques avec la question du sujet. En architecture, là, sur cette bataille-là, quelle est la portée politique de cette bataille? Et du coup, est-ce qu'on peut faire un lien ou pas? Le système symbolique, honnêtement, je pense que cette question du système métrique et de la systématisation introduite à la Renaissance, elle est vraiment fondamentale, pas suffisamment étudiée. C'est-à-dire que adopter par exemple le système métrique, c'est renoncer aux mesures de l'Ancien Régime. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses, parce que les mesures étaient liées à des étalons qui sont contrôlés par telle ou telle personne. À une diversité de mesures, donc il y a un régime d'universalité qui est signé par le système métrique. Mais du coup, ça crée une rupture symbolique aussi dans le domaine de l'architecture. C'est-à-dire que le caractère traditionnel de l'architecture, c'est-à-dire ça, en quelque sorte, ça commence à surhabiliter au module, sachant que la colonne, elle est anthropomorphe. Hein. La colonne, c'est une forme de mur d'une certaine manière, est rompue. Donc, il y a un enjeu politique. Délirant par son ampleur en réalité. Parce que le passage de ce système-là accompagne le système républicain, l'abandon de l'ancien régime avec son régime féodal, basé sur un modèle
un modèle transcendantal, en quelque sorte, des ordres, pour adopter un modèle fondé sur la fonction dite utilité. Donc c'est vraiment une révolution conceptuelle. Donc il y a un lien à faire avec la normalisation du monde, de la société, la thématisation aussi, du coup. Est-ce que dans ce cas-là, on n'est pas en train d'amalgamer, enfin, faire un amalgame dans ces critiques du numérique, il y a évidemment une critique du numérique. Non, mais dans ce cas-là, on peut aussi la faire. On peut la ramener à la système métrique dans la génération. Sauf que ça dépend des éléments. Ça dépend des mathématisations. C'est un cas-là, tu as des mathématisations différentes avec des ordres. Tu as des mathématisations, justement, un peu platoniciennes, qui espèrent retrouver dans l'ordre, via l'ordre mathématique, l'ordre du monde. Et Gondel, la position de Gondel sur l'harmonie, l'autre côté, c'est une position harmonique traditionnelle en art, c'est-à-dire du rapport fin, des correspondances qui créent la beauté. Et là, tu rejoues des mesures à tricher en fait, sur les mesurations des bâtiments pour faire correspondre aux théories de Vitruve. Parce que évidemment il y a un jeu des correspondances dans ce sens-là, mais voilà. Donc c'est plutôt pour percevoir, parce qu'en fait la déformation à vis, c'est la conduite phénoménologique. C'est quand tu mets une colonne en étage, elle n'a pas la même taille que le niveau. C'est la adaptation pour des questions du goût du rapport. Donc mathématisation du rapport pour l'harmonie. On a encore une minute, mais c'est juste parce que si on parle aussi de cette l'implémentation de normes de qualité par la norme investit le monde dans le plus simple, et il fait le lien avec le protocole logiciel, et je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Selon moi, là où la norme contraint un espace, un usage, les protocoles, eux, vont ouvrir des espaces. En fait, certes, contraint, mais même les très différents, ils les ouvrent, alors que le système normatif, il n'est pas du tout contraignant. En réalité, les normes, elles sont proposées. Personne n'est obligé de les utiliser. Jusqu'à un certain point. Non, aucune n'est opposable, à part dans les contextes gouvernementaux où tu demandes telle ou telle chose. Mais donc, que ce soit celle de l'IDO, ou celle du livre 3C, ou celle de l'Internet Frontier, ou l'ETF, c'est le même truc. C'est-à-dire, en fait, la norme peut exister, si elle n'est pas investie, c'est mort. Et ça, c'est cette dynamique-là, de la production de la règle, de la définition du réseau, elle est super intéressante. Et je pense que le cas très intéressant à regarder, c'est le cas de HTML5, ou de l'insertion des DRM dans le politique du Google 3C, et puis la manière dont le Google 3C, pour ces deux sujets qui sont problématiques, intégrer la norme, mais faire en sorte qu'elle ne soit pas forcément appliquée. A su garder la main sur la production de la norme, il a dû renoncer à l'application de ce qu'il souhaitait, parce que les communautés d'acteurs pouvaient s'en aller. Donc, tu vois, moi, je ne suis pas sûr qu'en tout cas, justement, elle n'a pas de rapport prescriptif. C'est-à-dire, si HTML5 s'était entêté avec. Si W3C s'était entêté avec XHTML5, ils auraient cassé Internet. Même si vous avez raison. Bien, alors encore merci Emmanuel. On va vous retrouver le 13 décembre avec une rencontre organisée par Sylvain Fredrickson à la Mine, à Lyon.